Dans quelques instants, nous allons écouter une puissante prière de délivrance, guérison et transformation Kanguka du soir. Il te suffit d'avoir foi en Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole qui nous montre la puissance du nom de Jésus. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te montre que tous ceux qui sont avec moi dans les quatre coins du monde, nous sommes venus devant toi parce que nous attendons à voir ta manifestation. Nous voulons voir ta main droite triomphante. Merci, Seigneur, parce que tu et la chose arrive. Merci Seigneur pour les personnes que tu délivres. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a des plans sataniques qui sont en train d'être brisés pendant la prière. Il y a ceux qui sentent déjà la délivrance. Il y a ceux qui sont déjà guéris. Ils étaient guéris même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui était lié, qui était visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident, un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour cette fille, une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance, il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force sur toi, quelqu'un qui est en train de se rouler par terre, parce que le Seigneur te délivre. Que ce démon fuit, ce démon qui parle, je parle à ce démon. Libérez l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance, merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance maintenant même. Tu es en train de bailler, quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a au moins 4 personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir, parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestrales. Il y a des liens ancestrales au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille, vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants, vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois qu'elle dort, tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé, tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit. Je leur donne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos, parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même, les hommes et les femmes, que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Garde tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche la ménopause. Tu t'inquiètes, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années au nom de Jésus, mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde, mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de dent. La dent te fait mal. Toute la nuit, tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une maman qui a de prier pour un bébé. Un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé. Son bébé va grandir et il va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension, un homme âgé qui a un problème d'hypertension, garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui as un problème de perte de mémoire, tu oublies tout. Tout le temps, tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde la main sur ton enfant. Toi qui es en train de prier pour un enfant qui souffre de la trisomie 21, son
enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu as deux fils qui souffrent de l'autisme et ces deux fils sont guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te doit te guérir. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de prier pour les boutons. Tu as plein de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as tout essayé mais aujourd'hui le Seigneur te libère. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer, ayez la foi que le Seigneur vous guérit. Un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose, quand tu tousses, tu craches même le sang. Le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrances. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si je n'ai pas cité ta maladie, ayez la foi. Même si tu ne sens rien physiquement, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Toi qui as problème d'hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a deux personnes qui sont à l'hôpital. Vous souffrez à l'hôpital. Au nom de Jésus, vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille, qui est hospitalisée dans les soins intensifs. Au nom de Jésus, et sa fille est guérie du COVID-19. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont désespérées d'avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage, mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a un autre couple, un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant, mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a deux jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer, mais aujourd'hui le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a deux filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. Deux filles qui sont en train de prier, qui veulent un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée au nom de Jésus. Cette famille est délivrée. Oh, alléluia, vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus. Que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcelée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcelé. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Il y a quelqu'un qui crache toujours le sang. Il y a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou, le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit maintenant même au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es le guéri du sida. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui a prié pour un enfant. Et la foi que la
température soit normale au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème de rein, commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui bailles, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler, tu es en train de rôter au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, qui sent beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation au nom de Jésus. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée, tu as été liée depuis des années pour que tu ne sois pas mariée au nom de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer des poumons, l'autre du cancer de foie. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre, qui a un problème de cœur, un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et la foi. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens même rien quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit cette jambe. Garde la main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale et la foi. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais tu es guéri aujourd'hui. Que soit la guérison. Toi qui as un problème d'intestin et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a une femme qui a des maux de tête interminables. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même les calmants ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que ses douleurs cessent au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu as de l'insomnie. Chaque fois tu passes des nuits blanches. À partir d'aujourd'hui. Et le sommeil. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette mission. Tu es en train de prier pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte, il faudra témoigner parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit. Ce démon de la peur, libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières, qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Si tu sens la nausée, il y a des gens qui sentent la nausée parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude côté gauche. Tu sens la douleur sur le coude côté gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent d'être délivrées. Il y a trois personnes qui sont en train de bailler. Depuis que je commence, vous ne faites que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur l'œil droit. L'œil droit te fait mal. Tu sens des douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil et sur le pied droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une jeune veuve. Tu étais mariée. Tu es veuve. Tu as perdu ton mari. Ça fait quelques années que tu es veuve. Tu es encore jeune. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Bientôt, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse tout le corps, de la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui te lie. Tous ces démons, je vous parle au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans son corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus. Parce que ces démons sont détruits au nom de Jésus. Ont quitté son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Vous êtes en train de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé.
péché, mais maintenant le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte, vous avez un enfant dans le ventre, le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21 et que c'est mieux qu'on avorte, mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit, mais aujourd'hui le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes, au nom de Jésus le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus ces fibromes au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme, un petit enfant qui souffre de l'asthme, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac, tu as un problème de gastrite, aujourd'hui ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un tumeur au cerveau, tu es guéri, confesse la guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant, l'enfant crie la nuit, toute la nuit l'enfant ne fait que pleurer. Je prie qu'il y ait la paix sur cet enfant au nom de Jésus, que l'enfant dorme cette nuit même, l'enfant va dormir tranquillement, paisiblement au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation, ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation, mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est délivrée, qui a été ensorcelée, tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons de te lâcher, je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré, tu étais lié par la sorcellerie, mais aujourd'hui tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus, tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein, mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïde, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui souffres du foie, l'hépatite C, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit, même le matin. Tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. À partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber, parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, un autre au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te délivre beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique, mais tu pries tous les samedis parce que tu veux la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a un autre jeune qui est lié par la drogue. Deux jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est sa mère qui est en train de prier pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps, que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment te suicider. Tu veux la mort, tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche au nom de Jésus. Va servir le Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il y a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur, merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches, plus de 3 fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil, sur le pied droit. Mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bientôt concevoir. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Et le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction est finie. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui souffrent, qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir parce que le Seigneur vous délivre.
délivre. C'est la délivrance de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une personne qui est tombée par terre, elle est en train de rouler par terre parce que les démons ne supportaient pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sortez de son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de délivrer. Il y a une fille qui a mis ses deux mains sur la tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Tu souffres des migraines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a trois femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le rein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie. Toute maladie liée au foie. Que ce soit l'hépatite B. Que ce soit l'hépatite C. Mets ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ceux qui souffrent, qui ont un problème de foie. Il y a un jeune homme qui a un problème, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Mets ta main sur l'œil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète, un homme et une femme qui souffrent du diabète, le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus, sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croise pas. Mais à partir de maintenant, tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui bloquait la croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul rénaux. Les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Il y a des jambes cassées. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur et que tu commences à marcher parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur. Seigneur, merci pour ces miracles. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te remercions pour ces miracles. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri, ou si vous voyez des signes de guérison, ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Dans quelques instants, nous allons écouter une puissante prière de délivrance, guérison et transformation Kanguka du soir. Il te suffit d'avoir foi en Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole qui nous montre la puissance du nom de Jésus. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te montre que tous ceux qui sont avec moi dans les quatre coins du monde, nous sommes venus devant toi parce que nous attendons à voir ta manifestation. Nous voulons voir ta main droite triomphante. Merci, Seigneur, parce que tu et la chose arrive. Merci Seigneur pour les personnes que tu délivres. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a des plans sataniques qui sont en train d'être brisés pendant la prière. Il y a ceux qui sentent déjà la délivrance. Il y a ceux qui sont déjà guéris. Ils étaient guéris même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui était lié, qui était visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident, un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive
vive pour ta gloire. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour cette fille, une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force sur toi. Quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce que le Seigneur te délivre. Que ce démon fuit. Ce démon qui parle. Je parle à ce démon. Libérez l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance maintenant même. Tu es en train de bailler. Quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a au moins 4 personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestrales. Il y a des liens ancestrales au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille. Vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants. Vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois qu'elle dort, tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit. Je leur donne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même. Les hommes et les femmes que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Garde tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche la ménopause. Tu t'inquiètes, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années au nom de Jésus, mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde, mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de dent. La dent te fait mal. Toute la nuit, tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une maman qui a de prier pour un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé. Son bébé va grandir et il va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension, un homme âgé qui a un problème d'hypertension, garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui as un problème de perte de mémoire, tu oublies tout. Tout le temps, tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde la main sur ton enfant. Toi qui es en train de prier pour un enfant qui souffre de la trisomie 21, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu as 2 fils qui souffrent de l'autisme et ces 2 fils sont guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te guérit. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de prier pour les boutons. Tu as un problème de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as tout essayé mais aujourd'hui le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer, ayez la foi que le Seigneur vous guérit. Un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose, quand tu tousses, tu craches même le sang. Le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrances. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si je n'ai pas cité ta maladie, ayez la foi. Même si tu ne sens rien physiquement, ayez la foi que le Seigneur t'a guéri. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Toi qui as problème d'hémorroïdes, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous souffrez à l'hôpital. Au nom de Jésus, vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille, qui est hospitalisée dans les soins intensifs. Au nom de Jésus, et sa fille est guérie du Covid-19. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos.
Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont désespérées avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage. Mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a un autre couple, un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant, mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a deux jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. 2 filles qui sont en train de prier, qui veulent un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, cette famille est délivrée. Oh, alléluia, vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcelée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcelé. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a quelqu'un qui crache toujours le sang. Il y a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou, le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit maintenant même au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es le guéri du sida. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui est en train de prier pour un enfant. Et la foi. Que la température soit normale au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème de rein, commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui bailles, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler, tu es en train de rôter. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, qui sent beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation au nom de Jésus. Il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée, tu as été liée depuis des années pour que tu ne sois pas mariée. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer des poumons, l'autre du cancer de foi. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre, qui a un problème de cœur, un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et la foi. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens même rien quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit.
guéris cette jambe. Garde la main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale et la foi. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais tu es guéri aujourd'hui. Reçois la guérison. Toi qui as un problème d'intestin et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a une femme qui a des maux de tête interminables. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même les calmants ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que ses douleurs cessent au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu as de l'insomnie. Chaque fois tu passes des nuits blanches. À partir d'aujourd'hui. Et le sommeil au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette mission. Tu es en train de prier pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre. Mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte. Il faudra témoigner. Parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit. Ce démon de la peur, libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières, qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Si tu sens la nausée, il y a des gens qui sentent la nausée parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude côté gauche. Tu sens la douleur sur le coude côté gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent d'être délivrées. Il y a trois personnes qui sont de bailler. Depuis que je commence, vous ne faites que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur l'œil droit. L'œil droit te fait mal. Tu sens des douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil et sur le pied droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une jeune veuve. Tu étais mariée. Tu es veuve. Tu as perdu ton mari. Ça fait quelques années que tu es veuve. Tu es encore jeune. Tu es fou de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Bientôt, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse tout le corps, de la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui te lie, tous ces démons. Je vous parle au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans son corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus. Parce que ces démons sont détruits au nom de Jésus. Ont quitté son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Vous êtes en train de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé. Mais maintenant, le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. Vous avez un enfant dans le ventre. Le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21 et que c'est mieux qu'on avorte. Mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez
aurait plus ces fibromes au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme, un petit enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac, qui a un problème de gastrite. Aujourd'hui, ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as une tumeur au cerveau, tu es guéri. Confesse la guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant crie la nuit. Toute la nuit, l'enfant ne fait que pleurer. Je prie qu'il y ait la paix sur cet enfant. Au nom de Jésus, que l'enfant dorme cette nuit même. L'enfant va dormir tranquillement, paisiblement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est délivrée, qui a été ensorcelée. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons de te lâcher. Je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré. Tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui souffres du foie, l'hépatite C, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit, même le matin. Tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. À partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, à notre au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te délivre beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu veux la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a notre jeune qui est lié par la drogue. Deux jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est sa mère qui a tout prié pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment te suicider. Tu veux la mort. Tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche. Au nom de Jésus, va servir le Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches. Plus de 3 fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil. Sur le pied droit, mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Et le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction est finie au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent, qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une personne qui est tombée par terre, elle est en train de rouler par terre parce que le démon ne supportait pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sortez de son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de délivrer. Il y a une fille qui a mis ses deux mains sur la tête au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu souffres des migraines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 3 femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou.
protéger nos droits. Fais soit la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le rein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrances. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si tu ne vois pas ta délivrance. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie. Toute maladie liée au foie. Que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C. Mets ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ceux qui souffrent, qui ont un problème de foie. Il y a un jeune homme qui a un problème, qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème, qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Mets ta main sur l'œil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète, un homme et une femme qui souffrent du diabète, le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus, sois délivré. Cet enfant imite les animaux. Tu imites plusieurs animaux parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui a un problème de croissance. Ta taille ne croise pas. Mais à partir de maintenant, tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui bloquait la croissance de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul rénaux. Les kidney stones. Tu es guéri. Ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident. Il y a des jambes cassées. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur et que tu commences à marcher parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier. Louer le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour ces miracles. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Nous te remercions pour ces miracles. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous êtes guéri, ou si vous voyez des signes de guérison, ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Dans quelques instants, nous allons écouter une puissante prière de délivrance, guérison et transformation Kanguka du soir. Il te suffit d'avoir foi en Jésus-Christ. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole qui nous montre la puissance du nom de Jésus. Je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te montre que tous ceux qui sont avec moi dans les quatre coins du monde, nous sommes venus devant toi parce que nous attendons à voir ta manifestation. Nous voulons voir ta main droite triomphante. Merci, Seigneur, parce que tu et la chose arrive. Merci Seigneur pour les personnes que tu délivres. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, il y a des plans sataniques qui sont en train d'être brisés pendant la prière. Il y a ceux qui sentent déjà la délivrance. Il y a ceux qui sont déjà guéris. Ils étaient guéris même avant que je prie. Il y a quelqu'un qui était lié, qui était visé par un esprit d'accident. Je détruis cet esprit d'accident, un accident mortel. Que cet accident mortel soit brisé, anéanti au nom puissant de Jésus. Que la personne vive pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour cette fille, une fille qui est une fille mère. Tu as déjà un enfant et tu n'as jamais été marié. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette porte que tu ouvres. Il y a une délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges pendant la prière. Tu sens la chaleur qui monte à partir du pied droit au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui tombe par terre. Tu sens une force
déverse sur toi. Quelqu'un qui est en train de se rouler par terre parce que le Seigneur te délivre. Que ce démon fuit, ce démon qui parle. Je parle à ce démon. Libérez l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance maintenant même. Tu es en train de bailler. Quelqu'un qui est en train de bailler au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Il y a au moins 4 personnes qui sentent la nausée. Tu as envie de vomir parce que le Seigneur est en train de délivrer les liens ancestrales. Il y a des liens ancestrales au nom de Jésus qui sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette famille qui est libérée. Il y a toute une famille. Vous êtes en train de prier. Le papa et la maman et les enfants. Vous êtes en train de prier maintenant. Il y a des liens dans votre famille. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois qu'elle dort, tu sens quelqu'un qui t'étrangle. Parfois tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Que ce démon te libère au nom de Jésus. Je parle à ce démon d'étranglement qui te visite la nuit. Je leur donne de te quitter et de quitter la maison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la guérison au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris maintenant même. Les hommes et les femmes que le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu viens de passer 18 ans sans enfant. Garde tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Il y a une femme qui approche la ménopause. Tu t'inquiètes, mais le Seigneur va te donner un enfant au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs années au nom de Jésus, mais le Seigneur va te donner un enfant. Tu es marié, tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur va te donner un enfant. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un couple qui vient de passer 9 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a quelqu'un qui vient de passer 12 ans avec un seul enfant, mais le Seigneur va te donner un deuxième enfant au nom de Jésus. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour son mari qui a un problème de spermatozoïde. Il n'a pas de spermatozoïde, mais le Seigneur va changer. Le Seigneur va te donner un enfant. Il y a un miracle qui va s'opérer dans votre maison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette fille qui a un problème de schizophrénie au nom de Jésus. Que cet esprit de schizophrénie te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de dent. La dent te fait mal. Toute la nuit, tu ne dors pas. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de nerf sciatique, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a une maman qui a de prier pour un bébé. Un bébé qui est prématuré. Le Seigneur garde son bébé. Son bébé va grandir et il va vivre au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension, un homme âgé qui a un problème d'hypertension, garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te guérit de l'hypertension. Toi qui as un problème de perte de mémoire, tu oublies tout. Tout le temps, tu oublies tout. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants qui sont visités. Toi qui es en train de prier pour un enfant, garde la main sur ton enfant. Toi qui es en train de prier pour un enfant qui souffre de la trisomie 21, ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu as 2 fils qui souffrent de l'autisme et ces 2 fils sont guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent de la chaleur dans le ventre. Tu n'as pas un enfant mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te guérit. Tu souffres des intestins. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une fille qui a de prier pour les boutons. Tu as un problème de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as tout essayé mais aujourd'hui le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si vous souffrez du cancer, ayez la foi que le Seigneur vous guérit. Un homme et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de la tuberculose, quand tu tousses, tu craches même le sang. Le Seigneur te libère. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de délivrances. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas entendu ta maladie, même si je n'ai pas cité ta maladie, aie la foi. Même si tu ne sens rien physiquement, aie la foi que le Seigneur t'a guéri. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Toi qui as un problème d'hémorroïde, ça fait des années que tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital. Vous souffrez à l'hôpital. Au nom de Jésus, vous allez sortir de l'hôpital vivant. Une dame qui prie pour sa fille, qui est hospitalisée dans les soins intensifs. Au nom de Jésus, et sa fille est guérie du COVID-19. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la manifestation au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme un serpent au niveau du dos. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes que le Seigneur touche au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut à gauche. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur qui pénètre son corps.
mort. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont désespérées d'avoir un enfant. Il y a des délivrances. Il y a des femmes qui vont avoir un enfant à travers cette prière. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 19 ans de mariage. Mais le Seigneur te fait un miracle. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a un autre couple, un homme et une femme. L'homme a mis ses mains sur le ventre de sa femme. Vous venez de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 11 ans avec un seul enfant. Tu as toujours prié pour avoir un deuxième enfant. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a beaucoup de femmes. Il y a deux jeunes couples qui viennent de passer 3 ans dans le mariage. Vous allez concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ces enfants qui vont naître à travers cette prière. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt avant d'atteindre 2 mois. Mais cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis que cette malédiction est brisée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour cet homme qui est délivré de la cigarette. Il y a quelqu'un qui a toujours essayé d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la cigarette au nom de Jésus. Il y a 2 filles que le Seigneur ouvre le chemin pour le mariage. 2 filles qui sont en train de prier, qui veulent un mari. Le Seigneur crée le chemin pour vous au nom de Jésus. Et quand vous aurez vos hommes, il faudra témoigner pour la gloire de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcelée au nom de Jésus. Cette famille est délivrée. Oh, alléluia, vous sentez la puissance. Il y a quelqu'un qui sent la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre au nom de Jésus. Que tous les liens de Satan soient brisés. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation de cette famille. Elle était ensorcelée depuis des années. Au nom de Jésus, tout le monde était ensorcelé. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Il y a quelqu'un qui crache toujours le sang. Il y a toujours le saignement dans les dents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a un visage enflé. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton visage est enflé. Garde ta main sur le visage et remercie le Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi. Garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du dos, près du cou. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le genou, le Seigneur t'a guéri. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu boites. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des migraines. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Au nom de Jésus. Et la foi. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit maintenant même au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la personne qui est guérie de l'estomac. Garde ta main sur le ventre côté gauche. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Et la foi. Confesse la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Toi qui es le guéri du sida. Et la foi. Le Seigneur t'a visité. Une femme qui a un problème d'utérus. L'utérus qui n'est plus à sa place. Le Seigneur va remettre ton utérus à sa place au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a une grande température. La mère qui est en train de prier pour un enfant. Et la foi. Que la température soit normale au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'otite. Garde ta main sur son oreille. Le Seigneur est en train d'opérer au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui ont un problème de rein. Si vous avez un problème de rein, commencez à remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une grande visitation. Toi qui bailles, il y a quelqu'un qui baille tout le temps. Tu es en train de bailler, tu es en train de rôter. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges, qui sent beaucoup de vertiges. Il y a une manifestation. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a été ensorcelée. Tu as été ensorcelée, tu as été liée depuis des années pour que tu ne sois pas mariée. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour l'homme qui est guéri du cancer. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. L'un est guéri du cancer des poumons, l'autre du cancer de foi. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une maman qui souffre, qui a un problème de cœur, un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur et la foi. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a une jambe qui est paralysée. Tu ne sens même rien quand on touche à la jambe. Le Seigneur guérit cette jambe. Garde la main sur la jambe parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Et la foi. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais tu es guéri aujourd'hui. Et soit la guérison. Toi qui as un problème d'intestin, et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a une femme qui a des maux de tête interminables. Ça fait des années que tu as des maux de tête. Même les calmants ne fonctionnent pas. Mais le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a mis sa main sur ses testicules. Que ses douleurs cessent au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia. Tu souffres au niveau du tibia. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, toi
qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Tu es de l'insomnie. Chaque fois tu passes des nuits blanches. À partir d'aujourd'hui, et le sommeil. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu à travers cette mission. Tu es en train de prier pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu as déjà un enfant dans ton ventre, mais tu ne le sais pas. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Quand tu sauras que tu es enceinte, il faudra témoigner parce que le Seigneur a déjà exaucé ta prière. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Tu n'arrives pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu es lié par la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit, ce démon de la peur. Libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui lutte toujours dans les prières, qui lutte chaque samedi. Tu veux cesser de fumer. Tu es lié par la cigarette. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu sens même la manifestation. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Si tu sens la nausée, il y a des gens qui sentent la nausée parce que vous avez mangé des choses. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude côté gauche. Tu sens la douleur sur le coude côté gauche. Le Seigneur te délivre. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent d'être délivrées. Il y a trois personnes qui sont de bailler. Depuis que je commence, vous ne faites que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur vous délivre. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur l'œil droit. L'œil droit te fait mal. Tu sens des douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance. Quelqu'un qui a mis sa main sur l'orteil et sur le pied droit. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a une jeune veuve. Tu étais mariée. Tu es veuve. Tu as perdu ton mari. Ça fait quelques années que tu es veuve. Tu es encore jeune. Tu es en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Bientôt, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la manifestation. Vous sentez la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur qui traverse tout le corps, de la tête aux pieds. C'est le Seigneur qui te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Le Seigneur te délivre. Une femme qui est tombée par terre au nom de Jésus. Je parle à cet esprit qui te lie, tous ces démons. Je vous parle au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de résider, de rester dans son corps. Tu es délivré au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche. Commence à louer. Parle de Jésus. Crie le nom de Jésus parce que ces démons sont détruits au nom de Jésus. Ont quitté son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur va te donner bientôt un enfant. Garde tes mains sur le ventre. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a un couple. Vous êtes en train de prier. Vous avez un enfant de 13 ans. Mais le Seigneur va vous donner un deuxième enfant. Ça fait des années que vous avez essayé. Mais maintenant, le Seigneur a créé le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. Vous avez un enfant dans le ventre. Le médecin vous a dit que l'enfant souffre de la trisomie 21 et que c'est mieux qu'on avorte. Mais au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au niveau du dos. Si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur est en train d'opérer. Il y a des gens qui sont libérés, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a ceux qui n'arrivent pas à se lever, à quitter leur lit. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous guérit. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant parce que le Seigneur t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux femmes qui ont des fibromes. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Vous n'aurez plus ces fibromes au nom de Jésus. Il y a un enfant qui souffre de l'asthme. Un petit enfant qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'estomac. Tu as un problème de gastrite. Aujourd'hui, ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un tumeur au cerveau, tu es guéri. Confesse la guérison. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a une maman qui prie pour son enfant. L'enfant crie la nuit. Toute la nuit, l'enfant ne fait que pleurer. Je prie qu'il y ait la paix sur cet enfant. Au nom de Jésus, que l'enfant dorme cette nuit même. L'enfant va dormir tranquillement, paisiblement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de la constipation. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres de la constipation. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est délivrée, qui a été ensorcelée. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces démons.
moment de te lâcher. Je brise tous ces liens sataniques. Tu es libéré, tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Tu vas proclamer Jésus. Tu vas témoigner pour Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Mais tu es guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïde, tu es guéri. Toi qui as un problème d'intestin, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs, qui sent comme le feu dans le ventre. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui souffres du foie, l'hépatite C, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui sent du feu, qui sent de la chaleur à travers son dos. Il y a quelqu'un qui est touché. Si tu es malade, si tu as un problème au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être guéris maintenant au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever. Tu n'arrives pas à quitter le lit, même le matin. Tu n'arrives pas à quitter le lit de toi-même. À partir de maintenant, tu es guéri. Je te demande de te lever. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber, commence à te courber, parce que le Seigneur guérit beaucoup d'hommes et de femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème au niveau du pied, au niveau de la cheville, à notre au niveau du genou. Le Seigneur te guérit. Il y a des délivrances. Le Seigneur te délivre beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui est lié par l'alcool. Tu es lié par l'alcool. Tu es devenu alcoolique. Mais tu pries tous les samedis parce que tu veux la délivrance. Le Seigneur te délivre de cet esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Il y a notre jeune qui est lié par la drogue. Deux jeunes qui sont liés par la drogue. L'un d'eux, c'est sa mère qui a tout prié pour elle. Mais à partir de maintenant, cette drogue est brisée. Cet esprit qui te pousse à te droguer tout le temps. Que cet esprit te quitte au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié, qui est dominé maintenant par l'esprit de suicide. Ça fait quelques jours que tu penses comment te suicider. Tu veux la mort. Tu veux chercher la mort. Que cet esprit de suicide te lâche au nom de Jésus. Va servir le Seigneur. Dieu a beaucoup de choses. Il a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Il y a quelqu'un qui sent une douleur au niveau de la côte. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Le Seigneur brise la malédiction. Tu as eu plusieurs fausses couches. Plus de 3 fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'orteil. Sur le pied droit, mets ton doigt sur l'orteil. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans avec un enfant. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur crée le chemin. Tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives pas à avoir des relations avec ta femme. Et le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a encore des hommes et des femmes que le Seigneur te guérit au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. À partir d'aujourd'hui, cette malédiction est finie au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent, qui ont un problème d'arthrose. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir parce que le Seigneur vous délivre. C'est la délivrance de je suis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Une personne qui est tombée par terre, elle est en train de rouler par terre parce que le démon ne supportait pas la présence de Jésus. Je parle à ces démons qui sont dans cette personne. Sortez de son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de délivrer. Il y a une fille qui a mis ses deux mains sur la tête au nom de Jésus. Tu es délivré. Tu souffres des migraines. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de la maladie de la peau. Il y a quelqu'un qui souffre de la maladie de la peau. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a 3 femmes qui souffrent des règles abondantes. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéri. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou droit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre, qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es délivré. Alléluia. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Le Seigneur visite beaucoup de gens. Quelqu'un a mis sa main sur le rein gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Je veux que tu remercies le Seigneur. Même si tu ne sens rien, même si tu ne vois pas ta délivrance, le Seigneur est à l'œuvre. Il y a un homme qui a un problème de goutte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, toute maladie liée au foie, que ce soit l'hépatite B, que ce soit l'hépatite C, mets ta main sur le ventre côté droit. Le Seigneur est en train de délivrer et de guérir ceux qui souffrent, qui ont un problème de foie. Il y a un jeune homme qui a un problème qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Mets ta main sur l'œil et aie la foi. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres du diabète, un homme
homme et une femme qui souffrent de diabète, le Seigneur est en train de vous délivrer. Il y a un enfant qui est possédé. Au nom de Jésus, sois délivré. Cet enfant imite les animaux, tu imites plusieurs animaux, parce qu'il y a des esprits qui sont dans cet enfant. Que cet enfant soit délivré. Je donne à ces esprits de quitter le corps de cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui est en problème de croissance. Ta taille ne croise pas, mais à partir de maintenant, tu vas croître normalement. Je détruis tout ce qui bloquait la croissance de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci, merci pour cet homme. Il y a un homme qui a un problème de calcul rénaux, les kidney stones. Tu es guéri, ça te fait mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ouvre ta bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a fait un accident, il y a des jambes cassées. À partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur. Je veux que tu remercies le Seigneur et que tu commences à marcher parce que le Seigneur t'a délivré. Toi qui souffres des intestins, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur. Seigneur, merci pour ces miracles. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te remercions pour ces miracles. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous êtes guéri, ou si vous voyez des signes de guérison, ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.